I'm really very happy to have Océane Fian here today because it's been a long, long overdue. Because I think 2 years ago, 1 year ago, 2 years ago, I invited Océane in Toronto to give a talk, but it was cancelled for various reasons. And so at the time, she was still a PhD student working in Nantes. Université de Nantes, the history and philosophy of artificial intelligence in medicine. But now she already has finished her PhD and she is now a postdoc at Université de Technologie de Compiègne. So very exciting to see what you are doing to the guys. Yeah, thank you. And you have the floor. Thank you. So hello everyone and thanks for the invitation. So to briefly introduce myself, I am currently a postdoctoral researcher in a project funded by the Institut National du Cancer. This project examines epistemological, ethical and legal issues related to artificial intelligence in oncology. And these issues are studied through the lens of artificial intelligence, real-life developments in three French cancer centers and in a medical informatics lab. The project also aims at formalizing a co-design method with the help of design professional. And the purpose of this method is to make it easier to integrate artificial intelligence-based devices into clinical practices. So my research fields are philosophy of technology and philosophy and history of medicine. I study decision support systems in medicine, from the first algorithm used by physicians to contemporary artificial intelligence. And I'm especially interested in their integration into medicine, as well as on their impact on medical practice, reasoning and knowledge. And my research methodology combine historical approach and an empirical approach. So I will quickly present my doctoral research to introduce the research work that I will present today to add a bit of context. So my doctoral dissertation is entitled Les algorithmes avant l'intelligence artificielle, enjeux pratiques et contexte de l'automatisation de la décision médicale à partir de deux cas d'étude. Its main aim was to shed light on the issues raised by artificial intelligence current developments in medicine. And I chose to shed light on the condition for the integration of artificial intelligence into medicine by studying development and use of medical decision support algorithms. I focused on the decision support algorithm used by physicians since the 90s, namely decision trees, clinical decision rules, and psychometric scales. I will give you more examples later, but here you have, for example, a clinical decision rule, which is used to assess the pretest probability of pulmonary embolism. In short, it tells the doctor the probability that his patient has pulmonary embolism based on various symptoms and risk factors. Thus, my dissertation's research program was to determine how physicians have received this algorithm in the past in order to identify the conditions for the appropriation of artificial intelligence-based devices today. So,
My dissertation takes the form of two case studies on two different objects, and by doing so I was able to study the effects of algorithm on medical practices from two complementary perspectives. First, from the perspective of how they appeared in medicine, and second, from the perspective of how they are used by physicians. So the first case study focuses on Hamilton Depression Rating Scale in the context of general practice. Hamilton Depression Rating Scale is a psychometric scale that has been promoted by French medical authorities to general practitioners as a decision support tool for the diagnosis of depression. However, it is primarily a research instrument used in psychiatry since the 60s. Therefore, to assess the effects of antidepressant treatment. Therefore, this case study examined the reasons for the transfer of this scale from psychiatric research to general practice, and I related this to an institutional desire to increase the quality of care and reduce costs. And I then drew on the body of philosophy of technology to explain the fact that algorithm relays social norms intended to supplant the norms of medical practice. The second case study focuses on a decision tree promoted by a medical society. It is intended for the diagnostic management of acute pulmonary embolism. So the aim of this case study was to determine how algorithms are used by physicians. So I relied on an empirical investigation in emergency medicine. And this allowed me to examine how physicians adapt decision support algorithm to their practice context. In the process, they reinterpret the social norms these devices convey in light of their own practice norms. And they can do so because the use of these devices presupposes certain knowledge and skills. Thus, the hypothesis I drew from these two case studies is that the future success of artificial intelligence-based devices in medicine will likely depend on the ability of physicians to confirm their usefulness and relevance by integrating them into their knowledge, skills, and value systems. So, thus, my results allow me to suggest that in order to be successfully deployed in medicine, AI-based devices should be subjected to a complex contextualization effort. So this is a hypothesis that is emerging in the literature on artificial intelligence in medicine. As a matter of fact, artificial intelligence in medicine appears to be motivated by the desire to replace physicians in some of their tasks rather than simply to assist them. A lot of comparative studies of physicians versus artificial intelligence performance sometimes, if not always, point to better performance by machines. As a result, physicians rarely have a voice in the design of these devices. However, past experience of technologies designed for physicians, like for example expert systems in the 70s, 60s, 70s, 80s, showed that they will not adopt technology that do not take their actual practices into account. So there are currently very few studies on the contextualization work necessary for the deployment and use of artificial intelligence in medicine.
My postdoctoral research starts with the hypothesis that in order to be successfully deployed in medicine, artificial intelligence-based devices need to be contextualized. It intends to fill the gaps in the literature by studying various devices developed for management of breast cancer. So I will present today my current research around an artificial intelligence project led by a pathologist and an engineer in Toulouse. And this project forms part of a professional strategy to enhance the pathologist's expertise. The fact is that this expertise has been undermined by genomics-based approaches. However, the latter have limitations that I will study through the example of Oncotype DAI-X, which is a gene expression assay for breast cancer. So I've been working on it for about a month. So the research that I will present is still a work in progress. Pathologists have been central to the management of cancer for more than a century. Morphological assessments of histologic tissue samples, both macroscopic and microscopic, and identification of particular tumor marker through immunohistochemistry are at the core of cancer diagnosis, prognosis, and treatment of illness. We've got, for example, a surgical specimen used for microscopic morphological assessments, hematoxylin and eosin stained tissues used for microscopic assessment, and immunohistochemistry staining, which is used to highlight certain markers which are used to for prognosis or for predicting treatment effects, for example. However, this role is being challenged by the rise of precision medicine, which is based on tumor genetics. While genomic approaches do not threaten to replace the pathologist's expertise, it is clear that the knowledge they provide is already guiding some clinical decisions. This includes therapeutic decisions in some hormone-dependent cancer, breast cancers, that do not overexpress human epidermal growth factor receptor 2 and have no or limited lymph node involvement. Sorry. These cases are usually treated with hormone therapy alone. However, some patients with a significant risk of cancer recurrence are given additional adjuvant chemotherapy. So the risk of cancer recurrence is related to the presence of undetected micrometastatic deposits after primary treatment, so usually surgery. And adjuvant chemotherapy is meant to eradicate these deposits. So the risk of cancer recurrence is assessed on the basis of clinical and pathology criteria. However, at times these criteria are discordant or do not allow for an assessment of recurrence risk in some complex cases. In such cases, on the basis of guidelines, the oncologist attending the multidisciplinary consultation meeting, Réunion concertation pluridisciplinaire, je ne sais pas si c'est exactement la même traduction. Ça renvoie à la même chose. The oncologist will request a molecular assay, and this molecular assay will assess the patient's risk and determine whether adjuvant chemotherapy should be given.
Thus, with the emergence of molecular assays, the pathologist has seen his techniques and therefore his role challenged by tests that do not belong to his epistemic equipment. So on the basis of a case study, I hypothesized that artificial intelligence could enable the pathologist to improve his analysis skills, and this would enable him to regain a central role in situations where his traditional techniques prove to be insufficient. In the literature, two arguments are commonly put forward to support the use of artificial intelligence in pathology. It is either to relieve the pathologist of repetitive tasks with low added value, or to provide him with decision support. In this presentation, I will focus on a case study illustrating the second perspective. This is a project conducted at the Oncopole of Toulouse in France. The project name is A Priorix. And it aims at creating a data set of breast cancer images, annotated images of breast cancer. And this data set will later be used to train artificial neural networks to identify tumor components in whole slide images. Here you've got an example of what is whole slide images, which is basically a scanned slide, and which is a pretty big image. And here you've got what they intend to do on whole slide images with artificial intelligence. So at first glance, this project simply aims at providing the pathologist with a decision tool. This tool would assist him in his histologic examination, but would also let him do what he did before in the way he did it. For example, pathologists assess tumor aggressiveness by counting mitotic cells. So since they do not have the time to count them in the entire glass slide, they do this at the greatest magnification in an area which is about 3 square millimeters and which seems to be the one with the highest cell division activity. According to the pathologist who initiated the project, if an AI-based device were to inventory all mitotic cells on the slide, it will allow pathologists to see things that they are not able to detect with their current means. If the machine is able to tell us that there are areas of high mitotic activity and others that are weaker, and that all of this may have meaning but until now we have never been able to assess, it is towards such things that we want to go. Through the study of this project, I intend to show that this dataset has a name that is beyond simple decision support. It is nothing less than enhancing the pathologist's expertise faced with decision-making tools, such as gene expression assays, that are outside his epistemic equipment. Indeed, several papers have shown that pathologist expertise has been undermined by genomics-based approaches. Therefore, I will examine and compare the purpose and implementation of a widely used gene expression assay, Oncotype DAI-X, with those of the creation process of this dataset. So, Oncotype DAI-X
is a test that was developed by the American biotech firm Genomic Health in the early 2000s. It measures the expression of 21 genes in tumor tissues in order to estimate the risk of breast cancer recurrence in patients with early stage hormone-dependent breast cancer that do not overexpress human epidermal growth factor receptor 2 and have no or limited lymph node involvement, which is in fact the most common cancer subtype. Of the 21 genes tested, 16 are cancer-related genes, mostly proliferation-related genes, and 5 are different genes used to normalize the latter's expression. Other tests exist on the market with the same indication. However, Oncotype DX is currently the test with the highest level of evidence according to the European Society for Medical Oncology. Therefore, this test is the most widely used by oncologists. So, Oncotype DX is a test performed in a central laboratory in California. And it works as follows. When an oncologist prescribes it after a multidisciplinary consultation meeting, the pathology lab prepares what is called a formalin fixed paraffin embedded tumor samples, and which they call in fact a paraffin block. And then they send the paraffin block to the central lab of in California. So there, the tumor gene expression is measured using RT-PCR with a method developed by Genomic Health for paraffin blocks. And then a proprietary algorithm is used to calculate a recurrence score on a scale of 0 to 1,000. Based on gene expression as levels. Then the oncologist who prescribed the test received the analyzed paraffin block. The patient recurrence score, yes, and two additional pieces of information, which are based on the retrospective and prospective validation studies of Oncotype DX. The patient's 9-year recurrence risk after 5 years of hormone therapy, and the average benefit of chemotherapy, adjuvant chemotherapy in the group to which she belongs. Indeed, prospective study has three prospective studies named Taylor X establish the indications of adjuvant chemotherapy for different risk groups. So adjuvant chemotherapy is indicated for high risk patients with a recurrence score above 26, but is not indicated for low-risk patients with a recurrence score under 10, and for intermediate-risk patients under the age of 50, the recurrence score between 11 and 25. And adjuvant chemotherapy has a moderate benefit in intermediate risk patients age 50 or less. So in this group, treatment options are discussed between the oncologist and the patient. It appears that in some breast cancer cases, the introduction of Oncotype DX has minimized pathologists'
involvement in medical decision making. This is consistent with the analysis made by Pascal Bourret, Peter Keating and Alberto Cambogio in a paper published in 2011. In this paper, these authors argue that Oncotype DAI-X decentralizes clinical reasoning and judgment, which means that these processes no longer take place within the hospital between different health professionals, but in the central laboratory that performs the test. In fact, Oncotype DAI-X provides physicians with prognostic information to the risk of recurrence and predictive information, the benefit of adjuvant chemotherapy, from a process that is made opaque by genomic health. Indeed, the test cannot be replicated and cannot be interpreted by physicians as conventional paraclinical tests can be. As a result, medical decisions are no longer based on medical knowledge and skills, but on the test results alone. And the pathologists I interviewed confirmed this. We assess proliferation through the microscope in two different ways, by counting mitotic cells and by looking at a marker called Ki67. So Ki67 is an immunochemistry marker, which is not very reliable. This assessment has many limitations. What molecular assays do well? The majority of genes in molecular assays are proliferation related, so it is a kind of super Ki67, and sometimes, yes, this is what tips the balance. In addition, this quote highlights an equally crucial point. Oncotype DAI-X guides medical decision because it has more weight than pathologic criteria. Indeed, the emergence of the test has been followed by studies comparing its prognostic and predictive performance to that of traditional criteria, like pathology and clinical criteria, with results often unfavorable to the latter. Thus, Oncotype DAI-X does not only minimize the role of the pathologist in clinical decision making, it also questions the robustness on which of the criteria on which his expertise is based. However, Oncotype DAI-X is criticized by physicians. These critics relate to its prognostic performance when compared to other molecular assays, to its non-suitability for some medical setting, and to its inadequate financing system, or at least in France. So, first studies comparing different molecular assays on the same samples have shown that Oncotype DAI-X does not stratify the same patients in the same way as other tests with similar indications. For example, a test called Prosigna or PAM50. According to the pathologist, it means that we don't do it because we would get into complicated situations. If Oncotype DAI-X told me low risk, and if I did Prosigna PAM50 and got intermediate risk, that would be embarrassing, and that is what would probably happen quite often. Sorry, just, we don't do it. What does it mean we don't do it? It's we don't conduct two tests. We don't do two tests. On the same patient. Okay.
Some studies have even shown that sometimes other tests perform better than oncotype DAIX. So there are biological and technical explanations for these discordant classifications and performances. Firstly, the patient populations used to develop the test are not identical. For example, Oncotype DAIX was developed on a larger and lower risk population than Prosigna, for example. Secondly, the tests do not target the same genes. Oncotype DAIX targets 21 genes, while Prosigna PAM50 targets 50 genes and some traditional pathologic criteria. Thirdly, different RT-PCR methods are used to measure gene expression. And still, from a clinical point of view, these inconsistencies are problematic. Medical decisions may differ from the same patient depending on the test performed, ce qui est un problème. Secondly, Oncotype DAIX is promoted as a therapeutic de-escalation tool. Paradoxically, as the pathologist points out, it is likely to cause therapeutic escalation in some settings. In our setting, which is not a chemotherapy-oriented setting, the molecular assay will more often lead to escalation than de-escalation. The media coverage of these assays is based on attitudes which are, for example, North American attitudes and which are not necessarily what we do. Oncotype DAIX was designed specifically to address the issue of overtreatment of early stage breast cancer in the United States. Indeed, in the early 2000s, adjuvant chemotherapy was widely prescribed following National Institutes of Health guideline. This guideline was based on the observation that the benefit of adjuvant chemotherapy remains stable between different patients' profiles. However, studies quickly contradicted this observation by showing that most early stage breast cancer patients do not really benefit from this treatment. Hence, Oncotype DAIX was designed to stratify patients according to their risk of recurrence in order to avoid adjuvant chemotherapy for patients who have a favorable prognosis. However, in France, patients are much less likely to be offered this treatment than they are in the United States. As a result, patients classified as high risk by Oncotype DAIX and were therefore eligible for adjuvant chemotherapy would not necessarily have been offered this treatment based on the criteria used by physicians in France. So this is due mainly to differences in guidelines and local clinical cultures. And lastly and thirdly, in France, Oncotype DAIX testing costs are currently covered by a system which is heavily criticized by physicians and which is called the Référentiel des actes innovants hors nomenclature. It is a nomenclature associated with a budget which was created to assessing medical innovations under real-life conditions, and this allows the coverage by the French public health insurance system to be, accelerated. The main difficulty with this system is that its budget is fixed, which means that it does not adapt to changes in demand for innovative tests. Thus,
the addition of new tests in to the nomenclature should be followed by the removal of older ones. However, in practice, this is not what happens, because all tests are not removed from the nomenclature, resulting in a decrease in funding for each test. In this situation, there's a risk of inequities in access to medical innovation. So, in response to molecular assays challenging pathologists' expertise and to the limitations of these assays, the project I am studying aims at developing local tools that meet pathologists' professional needs and epistemic requirements. So, the project is led by a pathologist and an engineer. As I previously stated, it seeks to create a dataset of annotated images of breast cancer tumors. And this dataset will be used later to train artificial neural networks to detect tumor components in whole slide images. The stated goal of the project is to enable the pathologist to exploit more effectively the information present in his main study material, namely histology slides. Glass slides. Indeed, the information extracted from slides during histologic examination is limited to about 15 criteria, which make it possible to characterize tumor within a limited time. We are talking about a quarter of an hour for complex cases, and also to choose the right treatment. However, the information contained in the slide is much richer than what is revealed by these 15 criteria, which mainly relate to tumor cells. According to the pathologist, in a glass slide with a breast tumor on it, we often have more than a million cells before our eyes, and a tumor is complex. It is not just a bunch of tumor cells. There is an interaction between tumor cells and the environment, immunity, structure, vessels, and so on. So here you've got an example of, you've got in fact the criteria used by pathologists during histologic examination. Image segmentation algorithm could make all the information contained in slides accessible to the pathologist. Image segmentation is a method that appeared in computer vision in the 70s, and it's a method that has recently seen its accuracy increased by deep learning. It is used to find objects in digital images by labeling each pixel, so that pixels with the same label share certain characteristics. An input image is basically transformed into an output image, which is usually a segmentation map that contains the outline of the object of interest. Here you've got an example of a segmentation model used souvent, which is an autoencoder.
project, image segmentation was preferred to over computer vision method such as object detection. Because segmentation, image segmentation enable to obtain more accurate information. It gives more accurate information than object detection. As image segmentation highlight object in images while object detection algorithm draw bound watches, which is called bounded boxes around this object. However, when applied to histologic images, image segmentation raises some challenge. For instance, for the pathologist, the mathematical operation applied to images by segmentation's algorithm are likely to make the extracted information biologically meaningless. The extracted information must be intelligible to a biologist, to a pathologist, and to an oncologist. Extracting information like neural networks do, that is, by doing lots of convolutions and stuff and with features that one does not really understand at the end, that was not the intention. The point is that in order to identify objects in images, algorithm do something that is quite different from what a pathologist does to accomplish the same task. In particular, the operations they perform do not involve any biological or histological knowledge. Thus, in new situations, the pathologist would not be able to know the object segmented by the algorithm have a real biological meaning. In fact, they could just stem from the presence of artifact in the training state, and histopathology images are prone to artifacts, which are mainly deformations introduced during the preparation of the slide and during their digitalization. So to teach the algorithm to identify objects that have a biological meaning, it will be necessary to manually label these microscopic training images at the cell level. That is to label the million objects present on slide. This task is tedious and it is complicated by the fact that the analysis of scanned tissues does not benefit from the refinement offered by the microscope. Quotation. I think that all pathologists who have ever been involved in image analysis agree that it is a thankless, complicated, and time-consuming task. On top of that, there are many occasions where we are not really sure about what we are saying. As a result, available datasets contain either a large number of roughly annotated whole slide images, like these two. This one has annotations of cancer tumor regions, so it tells you just that the tumor is here. And this one is a bit more precise. So either a large number of roughly annotated whole slide images or a small number of patches. Patches are parts of whole slide images. Small number of patches with cell level annotations, like this one.
either case, these datasets are insufficient when it comes to teaching a model to segment biological objects at the cell level. To create a large dataset of annotated whole-slide images, the solution devised by the pathologist who initiated the project was to delegate the annotation task to immunohistochemistry. So immunohistochemistry is a technique used in clinical practice since the 80s, approximately. And it can be done on the same slide as HNE staining, which is standard staining. And it allows for the detection at the cell level of proteins specific to cell type, structure, or function by means of an antigen-antibody reaction. And the complex form has brown markings on the blue background, like that. And immunohistochemistry is used for diagnostic, prognosis, and predictive purpose for treatment selection, and so on. For example, it enables the pathologist to determine the level of HER2 expression and thus to predict the response to HER2, anti-HER2 direct therapy. Sorry. But here, immunohistochemistry is used to create a binary segmentation mask that will act as labels for whole slide images. These kind of things. So the strategy for obtaining these masks is as follows. 9 histology slides are made from a single paraffin loop. Then they are scanned and disassembled, and immunohistochemistry is used to mark a specific biological element in each of the histological sections. So, in fact, 9 tumor components, which is a number of components used by pathologists during histologic examination. And immunohistochemistry slides are also scanned. And the images obtained are then processed to extract binary segmentation masks that match histological images and cover the biological object that the model will have to learn to segment. And after that, HNE images and their mask are fed to a neural network. However, the first results obtained with the dataset suggest that what the pathologist does when he locates biological objects on a slide is not entirely reproducible by a machine that identifies combinations of pixels. In particular, the engineer has a problem with a model that segments far too many mitotic cells, which are, in fact, very infrequent in glass slide histology slide. In theory, my mask does this, so my model must locate these mitotic cells, which it does. However, it also finds some here. It doesn't identify them well in terms of shape, texture, etc. So it finds 900. And there were, in fact, 19 mitotic cells in the image. Problem. So a solution considered to reduce the number of false positives
is to partially modify the model architecture and provide it with the criteria that define mitotic cells according to the engineer. In fact, we have an artificial neural network that does segmentation. It's an autoencoder. We encode the image and decode it to make a segmentation map. We wonder if we could add a classification branch at the bottom of the encoder that will simply ask whether there are mitotic cells in this patch. Thus, from the encoder, the model will have to both train itself to segment mitotic cells and learn to say whether there are mitotic cells in the patch. The difficulty is then to retrieve the pathologist's knowledge of mitotic cells. Some false positives seem to be part of a nuclei. However, for the pathologist and from a biological point of view, during mitosis, there's no more nuclear membrane, and so there's no more nucleus. So these criterion should be added. Other false positives have a fragmented shape rather than the rounded shape of a mitotic cell. This other morphological criterion should be integrated, and so on. In short, the engineer task here is to gather and translate into technical applications the knowledge and the expertise on which the pathologist relies to identify mitotic cells. So the project I studied is a good example of how artificial intelligence-based devices, even deep learning-based ones, can be developed and should be developed in a contextualized manner, that is, in close interaction between the pathologist and the engineer. In this case, in this project, the tools are developed to fit the pathologist's existing practices and to meet his professional needs as well as his epistemic requirements. In the literature, a few papers have pointed that taking specific use context into account from the development stage will be critical for the future success of artificial intelligence. And my research work form part of a research project that intends to fill this gap in the existing literature. That said, the research I presented is a work in progress, as I previously stated, and it requires further clarification, but I have more questions than conclusions. In particular, I've got two questions related to the highly contextualized nature of the development process of this dataset and of these neural networks. The first question I have is, how does one integrate domain knowledge into an artificial neural network? In my last example, the pathologist suggests to the engineer to integrate the criteria uses to identify mitotic cells into the algorithm. This would improve segmentation. While this may be a simple task in the case of symbolic systems, such as expert systems, it could be much more complicated in artificial neural network. So expert systems are programs developed during the 70s, and programs that mimics the expert reasoning process using knowledge-based rules. And in the case of expert system, integrating domain knowledge into an ex-
expert system is, I think, simply a matter of adding the appropriate rules, appropriate decision rules. In contrast, neural networks are very complex mathematical functions with many parameters. And from what I could see, their development process looks a bit like that. And in this sense, how does one get a neural network to implement a process that makes sense for a pathologist without using a set of rules? And the second question I have is, what about the external validity of these tools? These tools will be indeed highly dependent on their development context, and it is not obvious that they can be transposed elsewhere, or if only because the method used to prepare histology slides or to scan them, scanners, are not exactly the same quality and so on. However, the pathologist and the engineer don't seem concerned. So I wonder what qu'est-ce qu'ils disent. Hein? The engineer and the pathologist. Ils ne sont pas intéressés par le. And thank you for listening. Thank you.
about the equation and the type of algorithm you're working with? Because in quantum sense, what it calls IA machine learning everything, so it's not really precise. So I'm not sure why you should integrate the specific knowledge inside the algorithm and not directly the data set, because if it's just algorithm that learns stuff out of data sets to provide answers, why don't you just put the knowledge, the specific knowledge that you want in the data set that algorithm is learning from, and why do you want to change algorithm itself? So yeah, can you repeat the question, please? Or in French? Je n'ai pas trop compris quel type d'algorithme c'était, parce que effectivement, enfin, machine learning, machin, ça, c'est jamais assez précis, très précis, on peut tout n'importe quoi. J'arrive, mais si le principe problème c'est que l'algorithme n'arrive pas à répliquer les connaissances spécifiques des personnes, pourquoi est-ce que il faudrait changer l'algorithme et pas changer le dataset? Parce que dans ces problèmes-là, en général, on sait que l'algorithme reproduit les biais des datasets. Et donc, si on a un problème implémente la connaissance spécifique des personnes dans le dataset, ça devrait apprendre. L'algorithme devrait pouvoir apprendre ces patterns-là. Oui, c'est possible que. En fait, c'est une piste qui. Quand je suis allée les voir, là, c'était à la fin du mois dernier, ils commençaient à travailler sur le problème, donc il y avait plein de pistes à explorer, et en partie, peut-être améliorer leur vérité de terrain, quoi, leur dataset en fait. Et en particulier, il y a peut-être certains problèmes avec des marqueurs immunohistochimiques je sais pas, peut-être qu'ils mettent en évidence des parties du noyau qui sont en train de se désagréger et qui restent visibles. Donc il y a peut-être un travail à faire effectivement sur le dataset, mais ils essaient aussi de. Ils testent en fait, ils testent des choses, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop. Je pense que ma question rentre dans la même. On continue en français. Effectivement, dans la même ligne, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux. C'est pourquoi le pathologiste ne va pas lui-même simplement créer le dataset? C'est juste qu'il n'a pas envie de le faire, qu'il n'a pas le temps. Ouais. C'est impossible. Mais parce que si le pathologiste, ou si on embauche 2, 3, 4 pathologistes à temps complet pour former un dataset en marquant à la main, ça marche. Oui, non. Mais. Parce qu'il y a un autre problème technique plus subtil qui m'échappe, c'est ça, c'est ça que c'est, en fait, c'est impossible, je pense, à part si on embauche pendant 30 ans un pathologiste pour annoter 50 images. Pour faire c'est le trop... pire travail du monde, quoi. C'est impossible. Et puis eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, en fait, ils se trompent parce que sur les images virtuelles, ils ne peuvent pas zoomer, ils ne peuvent pas changer, se balader un peu dans l'épaisseur du tissu avec, comme avec leur microscope. Donc il y a des fois où ils ne sont pas sûrs sur certains objets. Et je pense que c'est vraiment le dataset. Ils essaient d'automatiser ça. Là, ils ont trouvé un truc qui est plutôt pertinent, je trouve. Il y a une vraie raison d'automatiser le dataset. Ouais. C'est pas juste un problème social, parce qu'un pathologiste ne fait pas ça. Oui, oui, c'est... je pense. Que... Sinon, on peut imaginer un jeu genre Foldit, tu vois, où tu entraînes. Je sais pas, Toi, tu es comme Google, là, c'est lui, voilà. Google, ils font ça avec. Quand tu fais, je suppose, un robot, c'est pour entraîner leur enrichissement. Ouais, mais là, il faut que ce soit des pathologistes. I have a question about that slide you showed about the pathologist saying, yeah, we don't want to do neural network stuff where we don't understand, but then again, they do it? Like, I don't know. So it's a bit confusing. Like, so he didn't want to end up with something that was not intelligible for him and the other pathologists and biologists, but then they end up with something that doesn't work. And also, it's also a neural network, so I'm a bit confused. Okay, can I answer in French? Okay. C'est, oui, effectivement, il trouve que les modèles de machine learning qui sont utilisés pour la segmentation sont opaques. Les réseaux de neurones artificiels, c'est opaque pour lui. Mais par contre, en fait,
C'est ce qui est assez difficile à comprendre, je pense, dans le projet. J'ai un peu de mal à saisir ça. C'est que j'ai l'impression que vu qu'ils sont absolument certains que leur dataset a une réalité biologique, que c'est des vrais objets biologiques et que leur algorithme entraîne avec des vrais objets biologiques, enfin segmentés, des vrais objets, quoi, bien segmentés, bien annotés. J'ai l'impression que ça lève un petit peu chez eux une partie de l'opacité, en fait. C'est comme une espèce de petite fenêtre de vérification où le pathologiste se dirait « oui, bah, ça c'est fait, c'est entraîné grâce à des images qui ont été annotées par une technique que je connais ». Et puis il y a aussi le fait que, en fait, j'en ai pas parlé, l'ingénieur, il a été recruté sur le projet et en fait, ils travaillent tous les deux, le pathologiste et l'ingénieur, ils sont dans un bureau de 2 mètres carrés, à peu près, tout le temps l'un sur l'autre, ils sont tout le temps en train d'échanger. Donc en fait, c'est un peu l'ingénieur qui a convaincu le pathologiste que c'était pas si incompréhensible. Ouais, c'est ça, il arrive à traduire un peu ce qu'il fait en machine learning, en langage pathologiste. Si tu veux, par exemple, lui, pour vérifier les résultats de l'algorithme, il a des métriques, en fait, c'est des valeurs de pixels, donc le pathologiste, il comprend rien à ça. Et du coup, pour que le pathologiste visualise les résultats, comprenne pourquoi, si l'algorithme s'est planté ou pas, ils ont mis en place une interface visuelle, en fait, grâce à des outils qui existaient déjà, mais ils les ont un peu modifiés pour faire des choses avec. Mais ils arrivent à discuter, et j'ai l'impression que ça ouvre un peu la boîte noire. Du coup, c'est un peu, c'est-à-dire qu'à l'origine, il avait il n'était pas allé vers quelque chose qui serait opaque. Ouais. Et puis finalement, une fois qu'il y a un dialogue qui s'est instauré, c'est pas si pire. Oui, et puis non, mais c'est surtout que ça repose quand même sur des choses qu'il connaît, qu'il utilise, qu'il y a une technique vachement éprouvée, l'immunohistochimie. Mais du coup, il y a un a priori, et ça s'appelle a priori. Je sais pas pourquoi ça s'appelle a priori. Il avait un a priori contre. Bah oui, c'est ça. Après, bon, c'est un peu la. Je sais pas si c'est pour faire financer le projet qui présente ça comme ça. Ah, ok. Mais bon. Non, mais ça va. Il faudra qu'on en parle. Oui, oui. I have a question. I'm going to ask in English, but you can reply in French if you want. I have a very basic question, which is a bit going into the direction of what is the general feeling among the medical community and the pathology community in France or in general regarding AI in medicine? Is it something that they welcome themselves, or is it something that is being sort of offered to them and sort of bit push from the AI community, and in that regard, this is for me what sort of called me the most and what struck me the most is the level of centralization, like you said, and the level of opacity that having such a proprietary software being a central piece of all these systems. How it makes things very opaque and very dependable for those companies. So I wonder if there's any kind of resistance towards not only the more epistemic problems of AI, but this privatization of that it comes with. Pour répondre à la première partie de la question qui était plus sur le, comment vivre ça et, oui.
Eh bien, alors mon étude est très biaisée, enfin le postdoc dans lequel je suis est très biaisé parce qu'on va voir essentiellement des médecins qui sont à fond dans l'IA en fait, enfin, qui sont intéressés par ça. Et puis on travaille aussi dans des centres de lutte contre le cancer. Donc les centres de lutte contre le cancer, c'est un peu à la... Enfin, ils sont à la pointe de la recherche sur le cancer. Et donc bon, c'est normal que l'IA arrive à un moment ou l'autre parce que ça fait partie... Enfin, c'est vraiment un truc qui est intégré dans la recherche sur le cancer. Et qui est... poussé au développement de l'IA en cancérologie. Et du coup, donc on a vu beaucoup de personnes qui sont très intéressées par ça. Et enfin, en fait, la majorité des personnes sont favorables au développement de l'IA et pour diverses raisons, sur des radiologues pour gagner du temps ou améliorer leur performance dans le screening, dans les mammographies du dépistage organisé, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il reste des faux négatifs. Donc voilà, on voit beaucoup de personnes comme ça, et je pense que par exemple dans les CHU, à l'hôpital public, je pense que l'intelligence artificielle, c'est autre chose. Je pense qu'ils le... Ils sont même pas dedans à y réfléchir en fait. Et sinon, à part ça, j'ai lu pas mal de surveys sur comment par exemple les pathologistes envisagent l'IA, l'arrivée de l'IA dans leur spécialité en fait. Après, ça dépend des spécialités, mais c'est un peu toujours les mêmes réponses. Et pour améliorer l'efficience pour permettre aux médecins de se recentrer sur des tâches plus complexes en laissant faire à l'IA des tâches un peu simples, répétitives, comme écrire des rapports ou je sais pas si ça répond à la première question. Et pour la seconde partie, j'ai pas complètement compris. I didn't have a specific question. No, I was just not shocked because I knew a bit the level of how much private companies and tech startups, at least in the Netherlands, mm-hmm. I don't know in France, but in the tech startups are thing within the AI in medicine community. So I wanted to hear if you had any thoughts on how is this perceived within the medical community. I mean, it's not like it's a community that is used to a lot of their practices privatized, so I don't know how it has changed any of that perceptions or is it part of it? Okay. Toujours dans les centres de lutte contre le cancer, en fait, ils développent des intelligences artificielles avec des startups. J'ai pas senti d'animosité contre la startup. Et enfin, ils travaillent en particulier avec une grosse startup qui est vraiment énorme, qui est devenue énorme, qui s'appelle Okin, à Lyon notamment. Paris aussi à Villejuif, travaille un peu avec, mais il n'y a pas vraiment de... Après, c'est pas le même développement. Mais... Mm-hmm. Ouais. They're soaked in money all the time already. Also, they're already in the private sector. Sure. You have to do that. So it's not shocking to them that they send their
your samples to California? And For Kota Ibdai X, for the fact that it's sent to California, j'avais demandé, même si au niveau des données personnelles, de la réutilisation des données, parce que c'est une firme qui peut, je sais pas, faire du séquençage à partir du bloc de paraffine, si ça lui chante, et faire de la recherche avec, et en fait, ils savent pas trop, je pense qu'ils ont des contrats quand même, mais le pathologiste en tout cas, pas si vraiment. Parce qu'ils ont peut-être, aux États-Unis, ils ont pas, je crois, enfin, j'irai pas très loin dans cette hypothèse parce que j'en sais rien, mais je crois qu'ils ont pas la même législation sur les données personnelles et les données de santé. Et leur utilisation. Donc, mais c'est les données européennes, ce qui doit être soumise, je crois. C'est quoi la Facebook qui vote, c'est que ça reste des élections de citoyens européens, donc c'est soumis à la législation. Oui, mais quand c'est des échantillons du bureau qui partent comme ça, je ne sais pas si on peut du coup parler de... C'est ce que c'est eux qui vont après extraire des données. Ces côté labo, ils sont anonymisés. Ouais. Peut-être que ça n'a rien à voir, je ne sais pas. Moi, j'avais une question aussi à propos exactement le cas comparatif, donc le cas de l'oncotype. Vous avez discuté un peu les réactions des médecins par rapport à l'opacité de ces tests-là. Vous avez déjà rencontré des témoignages des patients dans ce contexte? Parce que ça me frappe. Si j'arrivais à mon médecin et il me dit « Alors, dans ce test-là, vous avez un 32 ». Moi, je dis, alors, ok, bien, donc, et qu'est-ce que ça veut dire 32? Ah, ça veut dire bien que vous avez un 32, on sait pas exactement, mais ça, le truc dit 32, donc c'est 32. Ben, quoi? je comprends l'opacité, mais ça, c'est véritablement opaque. Oui, c'est vrai. Non, malheureusement, j'ai pas eu accès aux patients, mais j'aimerais bien assister à une réunion de consultation pluridisciplinaire, justement, sur ces cas-là. Bon, il n'y a pas les patients en réunion. Ah, d'accord. Mais ce serait intéressant de voir déjà comment les médecins interprètent ça. Enfin, est-ce que, au final, ils interprètent ou est-ce que, ils se basent juste sur les résultats d'essais cliniques pour dire, bon, elle a 32, donc c'est chimiothérapie, pas de chimiothérapie. Mais malheureusement, non, on n'a pas encore eu accès aux patients. D'un autre côté, ça c'est une question qui se pose pour un peu tout en médecine. Ouais. Chaque médecin, il va te dire, ils vont pas à chaque fois interpréter l'essai clinique, le truc pour chaque cas en fait. Là, c'est juste un niveau plus complexe avec, c'est juste un niveau de complexité. Est-ce que tu penses que toi, c'est pas juste, est-ce que le problème d'interprétabilité, par exemple, du cas que tu as présenté de Netflix, tu penses que c'est spécifique ou c'est similaire à tout ce qui se passe en général? C'est une question de niveau, je pense qu'il y a vraiment une différence conceptuelle entre ça et d'autres types de médicaments, de techniques ou même de tests. C'est vrai que tu as raison parce que. Au final, un médecin ne sait pas toujours comment, par exemple, un IRM lui donne un résultat. Oui, c'est le Covid. Même, c'est quoi, c'est le paracétamol, par exemple, on ne sait pas trop quelle est la pharmacodynamique, ses propriétés pharmacodynamiques qui fait que ça fait baisser la fièvre, mais les médecins l'utilisent quand même, parce que c'est validé. Et mais, ouais. C'est vrai ce que tu dis, mais la seule différence, c'est que là dans le cas de d'Oncotype, c'est l'algorithme est volontairement, parce que c'est la propriété industrielle, je pense, je sais pas comment dire ça. C'est un problème de... Enfin, même si c'était pas opaque au niveau légal, si c'était dans un open access truc, comprendrait rien non plus, pas de même s'il pouvait lire le code. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est pas faux que. Bah.
Et du coup, c'est comme les... Ce que j'en comprends, c'est quand même une addition de facteurs de risque génétiques. Donc, ça dépend du nombre de gènes que tu as. Et la firme cache ça, parce qu'il ne veut pas connaître exactement la recette du nombre de gènes qu'ils mettent dedans. Si les gènes sont tous connus. Mais quelle pondération ils donnent à chaque gène, je pense que c'est ça. C'est le faire problème. C'est quand même, ce qui est quand même différent de donner un score, je veux dire, c'est 32. Ça fait tel pour l'un que d'avoir un biomarqueur, le type dire, bah, si vous avez vos plaquettes entre temps et temps, alors ça veut dire que vous avez probablement une inflammation, je sais pas quoi. Ça, c'est déjà, les acteurs sont un exemple de ce type-là. Les patients et les médecins peuvent comprendre, et les médecins peuvent expliquer aux patients. Voilà, vous avez une inflammation, vous avez une allergie, vous avez des anticorps, on sait ce que c'est qu'un anticorps. Enfin, tu peux expliquer à un patient ce que c'est qu'un anticorps. Alors que le score de 32, tu peux juste. Enfin, sur un corps de 32, tu peux pas dire, bah, génétiquement, vous avez plus de chances de récidive, mais enfin, tu peux pas expliquer quand le corps de 32 est construit. Alors qu'un anticorps, tu peux dire ce que c'est. Quoi. Je pense que c'est quand même différent. Ah. Because so I don't know if you understood that the in the first case the proprietary software gives them the number, the 32 or whatever it is, based on the RT-PCR data, right? On gene expression. It's RT-PCR, no? Or no? Wasn't it? It's an RT-PCR, and then they use they measure gene expression level with RT-PCR, and then they used a proprietary algorithm on using different weighting for gene groups and. En fait, c'est un algorithme qui va pondérer différemment certains groupes de gènes. Et voilà. My question is, maybe I didn't understand it, because of all of this, the RT-PCR, the gene expression, and the proprietary software analysis, everything of this happens in centralized in California. But do the doctors and pathologists get the intermediate steps? Do they get the result of the RT-PCR and the gene expression? They just get the final product, right? No, they don't get anything in between. They don't get anything that happens before. En fait, le problème aussi, c'est que les pathologistes ne sont pas du tout impliqués dans la mise en œuvre de ce test-là. Parce que c'est quelque chose qui intéresse essentiellement les oncologues qui vont le demander et l'interpréter. Du coup, les pathologistes n'ont pas grand-chose eux, ils reçoivent rien, et à part le bloc de paraffine qu'ils vont recevoir et qu'avant, ils ont préparé. Mais pour les oncologues, effectivement, en fait, quand il y aura le test qui a été fait, ils vont recevoir ça en fait, comme résultat, en gros, un score et puis un risque de récurrence et puis un bénéfice moyen estimé. Mais après, l'opacité des risques, c'est assez connu que, en général, pour un patient, c'est très compliqué de comprendre ce que ça veut dire. Vous avez un risque. Oui, surtout que c'est un résultat sur 100. Et c'est démesuré. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis de 0 à 100, parce qu'ils considèrent que les patientes à haut risque sont déjà à haut risque à partir de 26. Mais oui, c'est un truc à creuser, je pense. Mais ça, il y a de la littérature là-dessus sur. Comment traduire, en fait, expliquer les risques, c'est pas évident du tout. Même des choses beaucoup plus simples que ça, mais ça, c'est encore pire. I'm going back to the same thing. How difficult it is to make an open software based on this? Because the RT-PCR and genome analysis is relatively commonplace. So I'm wondering, it's just the last step, right? But the proprietary software, that sort of is the difficult part. How many, for example, years did it take to establish
establish this, this sort of software, do you know, with the history of the company, and then it, how difficult would it be to have a open source software in which maybe not the oncologists themselves, but sort of. It's a bit naive, of course. Can you do open license of drugs? Why drugs? Like nationalizing the pharmaceutical industry. Yes, that's what I'm asking. I'm a bit shocked. It's about Oncotype. Yes. Okay. Combien, si j'ai bien compris, c'est combien de temps ça met pour faire cet algorithme propriétaire? En fait, dès la première publication la première publication sur le test, en fait, qui c'est la preuve de concept, en fait, où ils vont exposer, on a inventé un test révolutionnaire, et l'algorithme est déjà présent dans la publication. Et après, je ne sais pas trop, parce que les personnes qui ont essayé de répliquer ce test-là à partir de ce papier-là où la méthodologie et l'algorithme sont présentés, ils n'ont jamais réussi. Donc, combien de temps ça met du coup de je sais pas trop quoi répondre parce que j'ai du mal à formuler. And so again, same follow-up. Do we subcontract by default, or because again, if you have your tumor board or your Twitter interdisciplinary board something, if you have a competent geneticist and you order a genome sequencing, a complete genome sequencing of the tumor, and then it's done. You don't have to order something from Oncotype DX. No? Because geneticists should be able to read the genes and the genes and if you're aware of the literature on risks, things as genes. How hard it is to get from the gene expression to the 32. Yeah, I guess it's a shortcut because we don't have enough geneticists, or this is the one for precision medicine, but if new treatments are out almost every day with specific gene mutations. No, is it? No. Another question being, so, but it's not your case study. It's not exactly your case study, but under which condition do we order this kind of test instead of doing something else, like genomic sequencing? Yes, it's a bit like that. But il y a un truc que j'ai pas tout compris. C'était une question ou non, Marc, là? C'est une question, mais c'est pas ton cas d'étude, je sais même plus. T'es pas dans le tumor board, toi tu t'es pas sur le tumor board, donc là, tu montres le test pour montrer que ça rentre en compétition avec l'imagine, avec le rôle du pathologiste. Mais je me demande dans quel genre de cas on recourt à ce type de test au lieu de juste de faire autre chose comme c'est quand un passage. Alors, il l'utilise quand il y a un désaccord en fait, entre les personnes qui sont présentes à la réunion, par exemple, parce qu'ils sont obligés de parvenir à un accord. En fait, la réunion de concertation pluridisciplinaire dans la prise en charge du cancer, c'est en gros ce qui va décider du protocole. Et du coup, là, c'est quand ils sont pas d'accord, par exemple, il y en a un qui va dire elle va avoir juste hormonothérapie seule parce qu'elle a un pronostic favorable, et que le chirurgien va répondre non, pas du tout. C'est dans des conditions où tout le monde n'est pas d'accord, ou alors c'est des cas vraiment complexes, vraiment bizarres. Moi j'aurais aimé en savoir plus, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de trop sonder
Il faut que j'aille voir d'autres anapathes et d'autres oncologues qui n'étaient pas dispo au même moment. Ouais, c'est intéressant, parce que là, du coup, c'est pas. Si dans la perspective de développer une médecine de précision pour une médecine personnalisée, on n'est pas du tout pour une médecine de précision. Oui. Il y a juste un score que personne ne connaît, que personne dans le tumeur bord ne comprend. On n'est pas du tout la médecine individualisée. On y serait si on analysait le génome de la personne en question, de la tumeur. Oui. Bon, et après, ils le font, mais. Ils font du NGS, mais. Pas tout le temps. Vous pouvez nous comprendre comment est-ce que ces gens qui poussent pour ce genre d'outils se projettent dans le futur par rapport à leur utilisation. Est-ce que le but dans le futur, ce serait de nous laisser comme un outil informatif qui apprend à faire d'avoir un meilleur jugement, une meilleure orientation, ou est-ce que ça se substituerait au jugement du médecin à terme, on sera un bon point de quand ça fonctionnera tout ça. Ben, là, à ce stade, c'est. La manière dont ils voient leur projet et puis les outils qui en sortiront, ils voient ça comme des outils qui permettront aux pathologistes, par exemple, de découvrir peut-être de nouvelles corrélations, mettre des choses en évidence qu'ils n'avaient pas forcément vues. Mais il y a aussi un petit peu un côté comme ça où, j'ai l'impression qu'il y a un côté vachement exploratoire. Dans la connaissance, on va dire. Et puis, il y a un côté, quand même, ça serait bien si mon réseau de neurones artificiels y comptait toutes les mitoses à ma place pour que je n'ai pas à le faire. Parce que... Ou qui. Voilà, enfin. Il y a les deux, il y a un peu les deux. Oui, dans... C'est juste au niveau du jugement, ce que j'ai dit, enfin, ce que j'ai compris avec les histoires de Bohr, c'est qu'à la fin, c'est une question de jugement, c'est. Les gens cherchent un consensus pour savoir quel type d'action, quel type de. Est-ce que la pathologie existe et quel type d'action réagir. La question c'est est-ce que l'algorithme va se substituer à cette décision, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'impact, enfin, il n'y aura plus besoin d'avoir un médecin qui décidera de personnes qui se décident. Vraiment, à partir de ces données-là, on peut supposer que ça, mais est-ce qu'il y aura toujours un développement humain, il y aura toujours besoin de quelqu'un d'humain derrière qui va interpréter les données. On parle d'IA ou du. De ce genre d'IA qui sert, qui a l'impression que l'IA sert à donner un jugement à la place du médecin. Oui. Ça, enfin, on me le dit à un moment que ça tranche des fois. C'est ça qui va décider en fait du sort de la patiente quasiment. Mais bon, il y a toujours. Il y a toujours une supervision, au sens où même. Là, je disais, c'est ça qui va décider du sort de la patiente. Mais non, en fait. Ce qui va décider du sort de la patiente, c'est la discussion qu'elle va avoir avec l'oncologue. Et ça va pas forcément. On va pas forcément suivre le test, du coup, en fonction de ce que préfère la patiente. Mais après, impossible à dire, mais bon, par exemple, leur projet d'IA, de deep learning sur des lèvres, c'est pas un truc qui est à terme destiné à fonctionner tout seul, sans supervision, de toute façon. Techniquement, pour l'instant, c'est pas possible. Parce que... Non, mais c'est pour ça, parce qu'il y a pas mal de personnes un peu scientistes et futuristes. Oui, c'est leur Alexandre qui défend que l'IA a remplacé le computer, donc c'est pour ça qu'il y a des gens un peu plus raisonnés. Regarding specifically your case study, the Toulouse Oncopal imaging project, I'm not sure that I understand the validation procedure. What is the validation procedure? How does it determine that the success in producing a good algorithm or not? Oui. Because they're both together, you have the pathologist and the engineer in the office, and the pathologist looks at the image and say, oh, there are some patches that are missing. Otherwise, what are the patches? Alors, il y a du côté de l'ingénieur. Je suis sérieuse si je continue en français. Du côté de l'ingénieur, lui, il a des métriques en fait sur le. Enfin, bon, j'ai pas encore complètement compris ce qu'il faisait, donc j'aimerais bien qu'il m'explique plus. Mais il a des espèces de matrices de valeurs de pixels qui va savoir interpréter lui et savoir pouvoir nous dire si. L'algorithme s'est planté ou pas, mais le problème c'est que. Pour ça, il faut qu'il ait des bonnes images derrière. Pour ça, il faut que le pathologiste lui dise ce qu'il fait les bonnes images. Oui. Bah, après, avec l'immunohistochimie, du coup, ils obtiennent quand même des bonnes images. Enfin,
c'est des marqueurs qui vont mettre en évidence tous les composants d'une sphère. Des composants d'une cellule en fonction de ce qu'on veut mettre en évidence, et ce assez bien parce qu'en plus ça permet d'obtenir des images qui sont facilement. Enfin, on peut les traiter, faire du traitement d'image en fait, plus facilement parce qu'elles sont. C'est un marquage marron sur fond bleu, donc c'est plus facile pour le traitement. Et il y a quand même une vérification après. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est parce que le pathologiste ne comprenait pas du tout les métriques utilisées par l'ingénieur. Il était incapable de dire. Et puis l'ingénieur, en fait, à partir de ces métriques, il avait besoin de l'avis quand même de l'anapathe qui lui. Parce qu'il n'est pas capable de. Enfin, comment dire. Il n'est pas capable de juger à lui seul si. L'algorithme s'est planté ou pas sur tel objet biologique, parce que ça reste un ingénieur, même si ils acquièrent pas mal de. C'est assez impressionnant, mais bon. Et du coup, ils ont mis en place cette espèce d'interface où ça va. En fait, juste c'est. Une interface visuelle, en fait. Il va lancer son modèle. Son modèle va segmenter des objets, ça va les surligner sur l'image, et le pathologiste va pouvoir aller voir ces objets qui sont surlignés et vérifier si c'est pertinent ou pas, de son point de vue, de ce qu'il connaît. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est juste de savoir le pathologiste. Il n'y a aucun sortie clinique, il n'y a aucun point de validation clinique, non, par exemple, par rapport à la nature de la tumeur. Une double validation avec des biomarqueurs plus spécifiques qu'on connaît mieux, c'est vraiment juste l'organe. Ouais, c'est juste l'organe pour l'instant, après. Si tu veux en faire un outil clinique, il faut valider avec autre chose. Oui, mais prospectivement. Mais là, ils ne sont pas à ce stade, ils ne sont pas. J'ai un follow-up. Comment ils réconcilient l'attention entre le fait qu'ils disent. Souvent on se trompe et on ne sait pas trop, on n'est pas sûr. Et justement le processus de validation qu'on ne peut recommencer que sur nous. Parce que du coup il y a une incertitude qui est déjà dans sa connaissance à lui, dans son expertise. Comment il a résolu la tension avec le fait que ça va forcément se transmettre au niveau de la validation du groupe, parce que il va avoir des erreurs, puisque des fois, il va savoir. C'est pas faux, je sais pas. ce serait intéressant de vérifier, parce que. Pour l'instant, j'ai pas de données sur ça dans les entretiens, parce que j'ai pas cherché. Ça m'intéresserait de savoir, par contre. Mais, effectivement. Parce que tu l'as cité au début, tu disais. Oui, une sorte d'incertitude assez forte. Après, il n'est plus mentionné. C'est vrai que ça se transmet. Pour la notation, pour la vérification, en fait, c'est sur des images virtuelles comme ça, et en plus qui ont été un petit peu processées par Est-ce que les échantillons qui sont collectés en ce moment, ou c'est une banque de glace ils ont mis en place une cohorte en fait de 2000 patientes qu'ils avaient chez eux à l'oncopole, qui ont accepté de participer. En fait, il y en a un petit peu plus de 1000, mais parce qu'ils ont tenu compte d'une marge d'erreur. Le fait que les tumeurs soient pas très intéressantes. Et du coup. Un tumeur pas représentative. Et du coup, il y a 1000 patientes, et à chaque fois, 9 lames qui sont extraites en un seul bloc. Enfin, 8 patientes, un bloc pour chaque patiente, et 9 lames pour chaque.
chaque bloc du coin d'œuf, l'âme du Nord-Est chinois. Et ils ont essayé d'avoir une population un peu représentative, c'est-à-dire avec des cas qui n'étaient pas traités, traités, enfin, pas graves ou plus graves. Enfin, c'est pas ça. Et bon, dernier follow-up, mais c'est la même question, parce que du coup la validation c'est une personne. Oui, ben, pour l'instant oui, enfin c'est et deux. Est-ce qu'il y a la question du dissensus entre les experts qui ben, les inquiète, enfin, il est tellement sûr de lui qu'il sait qu'il a l'esprit. Enfin, après, il y a deux choses, parce que ça rentre quand même dans l'interrogation, enfin mon interrogation sur la validité externe. Tu vois, en général, j'ai l'impression que quand on compare les performances de ce genre d'outils, on était sur plusieurs personnes comme nous. Oui. Même si en fait ça pose pas, parce que qui, dans quel pays, dans quel hôpital, il y aura forcément les mêmes résultats. Oui. Mais là, c'est une personne. C'est encore c'est très peu, quoi. Oui, bah, y a ça, donc, mais il y a aussi, enfin, après les critères qu'ils utilisent pour faire leur examen histologique, c'est des critères qui sont à peu près standardisés. Il y a eu un gros mouvement de standardisation justement parce qu'ils n'obtenaient pas les mêmes résultats. Du coup, c'est un petit peu standard, donc je ne sais pas si ça peut jouer en sa faveur. Et faire qu'un autre expert dans un autre hôpital, bon, peut-être pas dans un pays différent, pas. Mais même si c'est standardisé, ça me paraît pas possible de tester un expert. Oui. Après, ça peut venir après. Mais oui, c'est une des questions que je me pose quand je dis que c'est pas. Il y a un petit problème de validité externe, en fait. Mais pourquoi, même tu disais à la fin que ça ne les inquiétait pas? Non, ils n'ont pas du tout parlé. En fait, tout ce qu'ils ont dit, c'est oui, bah, en fait, la solution, ce serait de faire une validation prospective. Et qu'est-ce que tu entends avec quoi par ça? Un essai clinique. En fait. Pas un essai clinique, mais c'est sur des nouvelles données. Tester un algorithme sur de nouvelles données qui appartiennent pas, qui leur appartiennent pas, qui sont dans un autre centre ou plusieurs autres centres. Et pour eux, ce serait une solution. C'est paradoxal. D'un côté, ils veulent intégrer la méthodologie pathologiste dans une sorte de knowledge base. Mais ça ne dérange pas que ce soit une solution pour moi. Ça. Oui, il y a des choses que je dois approfondir. Non, mais c'est juste moi, je me pose une question. J'ai l'impression que peut-être ils ont une vision de l'expertise très individualiste, enfin, qui pourrait expliquer pourquoi ils fonctionnent comme ça. Voilà. Une vision. The most classic philosopher, like, why are you not upset right now? It's the classic philosopher thing, like, you scientists, you doctors, you should be upset. I don't trust myself. It's true. C'est bizarre, c'est de validation prospective. J'ai toujours pas compris le problème. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire après ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut ancrer, les résultats de ça, pas dans les images, pas dans le regard du pathologiste, mais dans des. Alors dans quoi? Ce serait quoi cette autre base de données? Pourquoi le donner? Est-ce que ça veut dire donner des données cliniques? Pourquoi ils ne pourraient pas leur 1000 patientes et au lieu de mettre et relier simplement aux données cliniques des 1000 patientes, est-ce que ça ferait sens de relier ça aux données cliniques plutôt des 1000 patientes qu'à la nature de l'image Alors eux, je crois qu'ils envisagent une validation prospective effectivement sur dans d'autres centres, en
tout cas, ils y pensent. Enfin, dans un futur très lointain, parce qu'ils sont loin d'avoir quelque chose qui tienne la route. Du coup, non mais c'est, enfin c'est pour, c'est et du coup ça dans d'autres centres sur les mêmes données que ce qui a été utilisé pour entraîner le modèle, c'est-à-dire des lamentures en fait, d'autres patients, d'autres centres après, ils peuvent pas, ils pourraient à la rigueur faire ce que font les gens qui entraînent des réseaux neurofarmes, qui font du machine learning, c'est-à-dire conserver une partie de leur dataset d'entraînement pour justement entraîner, pour entraîner, pour tester après les performances du modèle, pour le valider, mais ça ne serait pas une validation qui serait très... ce serait pas, comment dire... Du coup, le modèle n'aurait pas une validité très forte parce que ça vient du même échantillon de patients. Donc ils essaient de le... Je sais pas, comment... Déjà, si c'était autre chose que le regard... Déjà, si c'était les données génétiques en plus des images, si tu mettais en plus le taux de survie, là, c'est le voyage de patients en plus de... Mmh. Plus de... Plus là, des images, c'est déjà dans la réponse plus de consistante aux données. Je suis pas sûr qu'un modèle puisse traiter deux types d'images. Et dans quel cas c'était quoi la question? Oui, c'est quoi ce genre de... C'est une étude clinique, c'est un essai clinique observationnel. Ça rentre dans quel cadre clinique? Comment on peut justifier ça pour avoir... C'est l'ACA qui finance? Non, c'est Elf Lab. Donc, entrepôt des données de santé français. C'est une grosse plateforme en fait, qui vise à mettre en partage les données de santé pour faciliter l'accès en fait, par les chercheurs. Et ça a été financé par ça. Et donc, Elf Data Hub, c'est à peu près tous les services publics possibles, imaginables. C'est la sécurité sociale, mais aussi les impôts. Enfin, voilà. Du coup, c'est ça. Mais du coup, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que quand c'est financé par le F Data Hub, c'est que derrière, il doit quand même y avoir l'idée que ça devrait à un moment sortir de l'oncopole de Toulouse. Mais. Paradoxalement, pour l'instant, ils n'y réfléchissent pas trop. Mais et pour ta première question, pour le fait d'ajouter des données, en fait, vraiment, je suis pas sûre qu'on puisse faire traiter un algorithme plusieurs types de données en même temps, un modèle de machine learning, plusieurs types de données en même temps, parce que là, il traite déjà des images. Et je sais pas, il faudrait peut-être utiliser un autre modèle, au pire. Enfin, bon après, je pense que c'est possible de faire une interface. Mais pour l'instant, eux, ils s'intéressent aux images. À ce que fait l'ANAPAT, en fait, parce que l'ANAPAT utilise très peu de... À part l'immunohistochimie, il utilise peu d'approches moléculaires. C'est la question avec laquelle on bat depuis le quart d'heure. C'est un modèle de... Il regarde l'ANAPAT. Oui, c'est ça. Il fait la même chose. De 1. Déjà, un modèle de 1, c'est un peu bizarre. Et en plus, comme c'est que un modèle, si comment tu vérifies ton modèle par rapport à la réalité? Si ta réalité, c'est qu'une personne, et si, oui. Si c'est une personne qui juge, voilà. C'est la médecine personnalisée, mais... Tu parles du médecin spécialiste, du médecin. Pardon, c'est une blague. Comme quand ils appellent l'IBM le Watson, mais c'est pas le nom du modèle, c'est juste le nom du mec. Ah oui. Mais oui, c'est un quart de jugement de Watson à côté. Ça va être le pathologiste. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais.